Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 7h57, il est même pas 8h. Journée difficile qui commence, nuit difficile qui se termine. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Bon, aujourd'hui c'est les 5 ans de l'anniversaire de mon père, enfin du décès de mon père. Donc c'est vraiment assez compliqué à gérer. Donc je vais nettoyer mes lunettes. Je vais m'occuper au maximum. Voilà, je reçois ma petite commande Chine que j'attendais. Bon, il y a les deux autres hein, que j'attends encore, mais vous aurez tout ça dans le hall. Mais j'ai commandé une nouvelle lampe pour mettre en déco. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vais aller prévoir un peu pour l'installer. J'ai une vidéo à tourner, donc j'espère que je ne serai pas trop molle pour la tourner quand même, quoi. Donc je vais essayer de me changer les idées avant. Il y a 2-3 trucs que j'ai envie de traficoter dans ma déco, puisque les petits strass que je vous ai montrés, on ne les voit absolument pas, donc ça ne sert à rien, je vais les mettre ici en bas. Et voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou demain, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc j'espère que je vais pas être trop déprimée pendant ce vlog. Bon, aujourd'hui, exception faite, hein, j'espère que ça passera vite. Mais c'est toujours très compliqué ce jour-là. Enfin, de toute façon, tout le mois d'avril est compliqué. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà remarqué que je paraissais moins en forme, mais... Voilà, c'est la dépression, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et là, c'est pas un bon mois. Donc, mais je vais vous parler de ma dépression après. Là, je vais d'abord vous parler de mon week-end, comme on fait d'habitude. Donc, vendredi, j'ai refait mes ongles. Bon, après, tout le week-end, ça a été du tournage de réel et du montage, puisque c'est ce qui m'occupe le plus. Je vous ai fait une story sur Insta pour vous dire que je vous inondais de contenu en ce moment, surtout sur Insta. Mais j'en ai besoin en fait. C'est comme je disais, c'est le seul truc qui me donne envie de me lever, c'est faire mes vidéos ou mes réels, enfin filmer quoi. Filmer, faire le montage et tout ça. C'est le seul truc qui me donne envie de me lever le matin, déjà en règle générale, mais encore plus le mois d'avril. Bref, donc j'ai fait mes ongles, j'ai enlevé les ads, et je suis repassé au 4 size, bien évidemment. J'ai mis en sous-couche. Le SKU 48 59 5 39 de chez Born Pretty. Donc ça c'est un que Maryse m'avait envoyé dans un big colis. Voilà, c'est un nude en fait et je trouvais ça sympa. Et j'ai remis par-dessus le 4 size Elite 99 45001. Donc c'est un Snowlight, je crois qu'ils appellent ça, avec des petites paillettes bleues. Et je trouve que ça fait très beau sur les ongles, donc voilà. Écoutez, j'adore. Et par contre, en enlevant le truc, je me suis arraché le bout d'ongle d'ici et j'ai pas eu envie de faire une rallonge. J'avais la peine. Voilà, le samedi, j'ai regardé la série The Act, enfin The Act, donc sur... l'histoire de Gypsy Rose Blanchard, puisque je suis tombé sur... en ce moment, je suis beaucoup sur la chaîne de Sonia Liu. Donc, je crois que c'est Liu, ça se dit, je ne sais pas. Je suis retombé sur sa vidéo qui parlait de ça, que j'avais déjà vu, hein, mais je l'ai regardé, puis ça m'a donné envie de regarder la série. Donc, j'ai regardé la série sur le week-end. J'ai fait des réels et du montage entre-temps. Et mon frère est passé juste après ma sieste. Je venais de descendre et... justement, j'étais en train de me dire, bah tiens, comme j'ai fait une sieste assez tôt, je me suis levé assez tôt, parce qu'il était 3h, je crois. Je me suis dit, tiens, je vais aller refaire un réel. Mais du coup, mon frère est venu jusque 6h, je crois. Donc, j'ai pas le temps de refaire un réel, mais on a discuté avec mon frère. Notamment d'aujourd'hui, et je lui ai un peu expliqué pourquoi j'étais autant affecté par le décès de mon père. Et hier, j'ai fait quoi? Ben, un réel montage. J'ai engagé Georges pour faire un réel avec moi, enfin le début d'un réel avec moi
puisque je vais faire un make-up, bah, vous le verrez après dans le bureau, je pense, si je reprends un bureau, par rapport à son t-shirt Rick et Morty qui est totalement affreux, mais je l'ai vu et puis ça m'a donné une idée de make-up, donc je me suis dit je vais le faire. Je vais aussi faire un petit réel, bah, pas make-up, hein, mais voilà, il y a deux genres de réels. Il y a les réels de partage pour où on vous explique, enfin où on vous montre comment faire un make-up, et puis il y a les réels de fame où on vous montre juste le rendu final et les poses de poupouf. Voilà. Bon. Je fais rarement des de fame, mais de temps en temps j'aime bien, enfin, surtout pour jouer avec les transitions et tout ça. Là j'en ai fait un que vous allez avoir dans la semaine. Ah non, si vous ne me suivez pas sur Insta, franchement, il y a le lien en barre d'infos, suivez-moi parce que c'est là que je partage le plus, vu que c'est le réseau social déjà que je préfère, mais en plus que j'ai plus d'accès, puisque je peux vous mettre des liens sur des sites que je vous parle ou mes vidéos quand je vous en parle. Je peux vous faire des stories, je peux vous mettre des sondages et tout ça, alors qu'ici, les sondages dans l'onglet communauté, personne ne les voit. Presque personne ne les voit. Les posts non plus, je peux pas faire de story parce qu'il faut 10 000 abonnés. Enfin, tout un bordel. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. C'est vraiment le réseau social que je préfère. De toute façon, quand je m'ennuie, je suis sur Insta. Un peu TikTok aussi maintenant que j'ai découvert suivant que ma nièce et mon neveu m'ont poussé à le faire. D'ailleurs, je suis assez impressionné par les vues que je fais sur TikTok parce que je dépasse toujours les 1 000 vues. Bon, pas tout de suite. Hein. Quand je poste le premier jour, mon TikTok fait pas de vues. Mais je dépasse toujours les 1 000 vues au bout de 2-3 jours, alors que j'ai que 100, enfin maintenant 170 abonnés, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si on dit abonnés sur TikTok, hein, mais bon, fou. Et franchement, je suis assez impressionné par les vues que je fais. Et par contre, j'ai beaucoup de commentaires en disant que je mériterais beaucoup plus de vues, de visibilité et compagnie. Et ça me touche vraiment énormément. J'ai désactivé les commentaires sous mon réel de teint parce que j'en avais marre qu'on me dise que j'étais trop blanche alors que ce n'était pas le cas. Et là, j'en ai retourné un que vous aurez aujourd'hui pour moi avec le fond de teint IRL de chez Révolution. Putain, ça m'énerve que je l'adore ce fond de teint là, vu le prix et la quantité, ça m'énerve. J'ai vraiment hâte de ressortir un Catrice, donc j'ai hâte de le finir pour ressortir un Catrice. Pour me dire non, finalement, Catrice il est mieux pour pas acheter l'autre parce que le Catrice est quand même 3 euros moins cher pour 7 ml en plus, donc voilà quoi. Mais franchement, 10 balles pour 23 ml, c'est abusé. Enfin, les 23 ml, quoi, je les digère pas. C'est bientôt, ils passeront à 15 ml comme un anti-cerne, quoi. Un truc de fou. Bref. Donc je vais vous parler un peu de ma dépression parce que même mon frère ne comprend pas que la mort de mon père m'ait mis dans cet état-là. Bon, après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a toutes les histoires qu'il y avait au boulot, le harcèlement moral que j'ai subi au boulot. Puis bon, le cumul de beaucoup de décès dans ma famille, hein, puisque si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai plus beaucoup de famille vivante. Mais je me demande si je vais pas vous faire sur le live samedi, justement, parler de mon lien avec la mort, que j'avais dit que je vous ferais une story time. Je sais que vous l'attendez beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à me mettre devant la caméra et à parler seul de ça, quoi. Donc je me dis que peut-être en faisant ça en live, j'aurai plus facile à vous expliquer. Donc je pense que c'est le sujet qu'on abordera dans le live samedi. Le chien qui soupire, regardez, mais ferme ta gueule, je dors. Bon, j'ai mal dormi, donc je suis fatigué, je risque d'être un peu brouillon aujourd'hui. Déjà, j'ai dû attendre, ça m'a fait rire parce que j'ai fait une story sur le réel que j'ai posté, j'ai eu beaucoup de vues d'un coup. J'étais à 2 900 et des cacahuètes et j'ai dit, allez, les 3 000 vues avant que j'aille au lit. Mais moi, d'habitude, je vais me coucher vers 10 h 30, 11 h, 11 h grand max, quoi. Sauf que là, ben, je les ai eues avant d'aller me coucher, puisque j'ai été me coucher qu'à minuit et demi à cause de mon foutu chat qui a demandé pour sortir à 11 h et. Non, avant 11 h, un peu avant 11 h, et qui est rentré qu'à minuit et demi. J'avais beau l'appeler, elle revenait pas. Putain, je l'aurais tué. Après, j'ai mal dormi parce que ben, déjà, je suis pas bien. Je cogite, je cogite. Et puis, il y avait le chat qui me faisait chier dans le lit, qui ronronnait et qui me foutait encore ses moustaches en pif. Et les chichous qui foutaient le bordel dans la cage. Parce que j'ai eu la bonne idée de leur mettre une plaquette en bois pour qu'ils puissent s'amuser pendant la nuit. Mais du coup, Luna, elle l'a tapé contre les barreaux. Il faut que je pense à leur enlever ce soir avant d'aller me coucher parce que c'est impossible, quoi. Enfin, bref.
Donc, pour l'histoire de ma dépression, comment expliquer ça? Mon père, j'ai jamais eu un lien très particulier avec lui. J'étais un peu transparent pour lui durant toute mon enfance, mon adolescence et tout ça. Il s'occupait absolument pas de nous. Et puis quand mes parents ont divorcé, d'abord il s'est remis avec la femme qui est devenue la marraine d'Enzo, bon, qui ne voit plus maintenant. Mais j'ai habité chez elle tout le temps de ma grossesse d'Enzo, puisque mon père m'a tapé dehors parce que je ne voulais pas quitter le père biologique d'Enzo à l'époque. Donc il m'a mis dehors et il venait donc chez sa copine qui m'hébergeait. Et on se mettait pas un mot, quoi. C'était vraiment assez dur. Là, on s'est réconciliés après la naissance d'Enzo, quand le père d'Enzo m'a. Enfin, le père. Le géniteur d'Enzo m'a quitté. Le petit avait une semaine. Et du coup, il m'a repris un peu chez lui en attendant que ma mère ait sa maison, puisqu'elle vivait chez mes grands-parents. Enfin, tout un bordel. Il m'a repris chez lui avec le petit. Et là, c'est vrai que ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Mais manque de bol, ça s'est terminé avec la femme avec qui il était, qui était très bien, qui s'occupait beaucoup de nous, qui était très maternelle et tout ça. Et il s'est remis avec une autre qui avait quatre enfants et elle le voulait pour lui et ses enfants à elle. Et elle a réussi à nous évincer les uns après les autres, mes deux frères et moi, de la vie de mon père, jusqu'au jour où ils ont déménagé en France. Voilà. Presque à 1 heure et demie de route de chez nous, sans même nous donner une adresse ou un numéro de téléphone. Donc je ne savais pas où était mon père. En gros, c'est un peu ça. Donc on ne s'est pas vu, forcément. Quand j'ai eu mon cancer de l'utérus, ma tante, la sœur de mon père, l'a appelé en l'engueulant en disant « Ta fille a failli mourir et ça ne te tracasse même pas ». Et ma belle-mère a dit à ce moment-là, oui, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Elle dit ça juste pour être intéressante. Bien sûr, je me suis enlevé l'utérus à 26 ans, juste pour faire l'intéressante. C'est bien connu. Donc, j'ai pas parlé à mon père. Pour finir, mon frère a retrouvé sa trace via l'intermédiaire d'un ami à mon père, qui lui avait adressé un numéro de téléphone. Ses enfants ne l'avaient pas, mais ses potes l'avaient. Et mon frère est retourné le voir. Moi, je voulais pas. Voilà, j'ai dit, j'ai pas besoin de lui dans ma vie. Ça fait des années que je vis sans lui. Il fait pas attention à nous. J'ai eu le cancer. Ça lui a fait ni chaud ni froid. J'ai eu mon accident de voiture. Ça lui a fait ni chaud ni froid. Il connaissait pas mon mari. Il connaissait pas son deuxième petit-fils. Enzo, il l'avait pas vu depuis des années. Donc, il l'a pas vu grandir. Mais il s'occupait des enfants de sa femme en fait. Les petits l'appelaient papy, il était là à la maternité, il était là, il avait tous les jours les petits dans les bras, alors que les miens n'ont pas eu cette chance, alors que c'était leur grand-père. Et les autres avaient un grand-père, hein, puisque le père des enfants de ma belle-mère était présent dans leur vie, quoi. Et un jour, Enzo, parce qu'Enzo avait créé un beau lien sur les 3 premières années de sa vie, on va dire, avec mon père, il avait des souvenirs, quelques souvenirs, notamment la pêche, voilà, parce que mon père était pêcheur et chasseur. Bon, chasseur, j'ai jamais trop aimé, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. La chasse, ça lui est venu par après, en fait. Mais ça a toujours été un pêcheur, aussi loin que je me souvienne. D'ailleurs, quand je suis né, il tenait un étang de pêche avec ma mère, la première année où je suis né en France. Et du coup, Enzo me demandait pour le revoir. Et je suis pas le genre de personne qui, c'est pas parce que je ne parle plus à quelqu'un que j'empêche la personne de parler à d'autres personnes ou d'autres personnes à parler à cette personne-là. Enfin, vous voyez, moi, mon père, même si je parlais plus, il serait venu devant la porte chercher les enfants. Je l'aurais laissé faire, quoi. Mais il faisait pas attention à nous, vraiment pas quoi. Mais alors, quand je vous dis vraiment pas, c'est vraiment pas. On n'existait plus pour lui, clairement. Et Enzo m'a demandé pour le revoir, parce qu'il s'ennuyait après lui, qu'il avait besoin de le voir. Donc je me suis dit, bon, c'est Enzo qui demande, mais ça faisait déjà 8 ans que j'avais pas vu mon père, hein.
et que j'avais pas un très grand lien avec lui non plus à l'époque. Donc un jour, je me suis décidé, pour faire plaisir à Enzo, j'ai demandé l'adresse à mon frère et on y est monté. Je voulais pas le prévenir parce que je me suis dit, si ma belle-mère est au courant, on va trouver une excuse pour pas que j'y monte. Et on y est monté. Et je vous raconte pas l'appréhension, hein, 1 heure et demie de route. Quand vous n'avez pas vu votre père depuis 8 ans, vous ne savez pas s'il va être là et que vous ne savez pas comment ce qu'il va vous accueillir, hein, parce que je n'étais pas sûr que ma belle-mère ne me ferme pas la porte au nez à ce moment-là. Et du coup, on est arrivé, c'est elle qui a ouvert. Elle m'a regardé d'un air limite, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Donc j'ai juste demandé si mon père était là. Elle me dit oui, je l'appelle. Appelle-le, mais elle nous a laissé devant la porte. Hein. Mon père arrive et puis donc il nous fait rentrer. Et là, je lui ai présenté Sam qui avait déjà 8 ans. 8, 9 ans, presque 10 ans, je crois. Et mon mari, quand on était mariés depuis quelques années déjà. Donc, il n'était pas au mariage. Forcément, je ne l'ai pas invité. J'avais pas d'adresse pour lui envoyer une invitation et pas de numéro de téléphone pour le prévenir. Donc, j'avais pas l'invité. Et du coup, c'était un peu tendu au début. Après, on a commencé à parler. Il m'a juste demandé de ne pas parler du passé. Or, chose que moi, je ne supporte pas, parce que je crois que vous avez compris que quand j'ai quelque chose à dire, il faut que je le dise. Mais comme il y avait ma belle-mère, je ne pouvais pas régler les comptes avec mon père non plus. J'aurais préféré parler avec lui en tête à tête. Mais voilà, je lui ai dit, écoute, je veux bien, mais je ne veux plus me sentir abandonné, quoi. Parce qu'à ce moment-là, surtout les enfants, je ne veux pas qu'ils ressentent ça, encore une fois. Sam s'est vite accroché à mon père, parce que mon père était quelqu'un de très jovial. Je sais que si j'étais retourné avant, il m'aurait accueilli les bras ouverts, hein. C'est pas ça le problème. C'est que c'est lui qui nous a abandonnés. Je pense, j'attendais un signe de sa part, en fait. Parce que je l'avais appelé une fois. Ouais, je l'avais appelé une fois entre-temps. Et un peu après, bah justement, un peu après que je me sois fait opérer de mon cancer. Et je lui avais demandé s'il pouvait passer pour qu'on se voit et qu'on parle, et il m'avait clairement dit non. Donc voilà, je vous raconte pas d'appréhension quand j'ai été là-bas, quoi. Et donc pour finir, je suis retourné voir pour faire plaisir à Enzo. Et quand je suis ressorti de là, donc du coup, il m'avait donné son numéro de téléphone. Hein. Non, je l'avais déjà. Mais du coup, je lui ai envoyé un message. Quand on est parti sur le chemin du retour, et je lui ai dit, c'est en te voyant maintenant que je me rends compte que tu m'as manqué. Parce qu'avant, j'étais persuadé qu'il ne me manquait pas, mais en le voyant, là, je me suis rendu compte qu'il m'avait beaucoup manqué. J'essaye de ne pas pleurer, hein. C'est assez dur. Je ne sais plus où j'en étais. Que je disais. Oui, donc j'ai envoyé ce message là pour lui dire que ça qu'il m'avait manqué au final. Et il m'a répondu juste oui, moi aussi. Mais bon, c'était pas très. Comment dire? C'était assez froid et distant encore, même si j'ai vu qu'il était content de nous voir, qu'il avait été très triste de voir Sam à cet âge-là et que je lui présente mon mari après plusieurs années de mariage. Parce que mon frère l'avait invité à son mariage. Donc il avait vu mon mari, mais enfin on n'était pas encore mariés, mais c'était au début de notre relation. Et du coup je me suis dit, ben voilà, je l'ai vu, Enzo l'a vu, mais quand est-ce qu'on va se revoir, quoi? Et du coup, le week-end d'après, il est descendu à la maison, sans prévenir rien. Il allait à la pompe, il est passé boire le café. Et là, j'étais touché parce que je crois que c'était la première fois qu'il voyait une de mes maisons, tout simplement. Alors que je vivais seul, je vis seul depuis Kenzo et un mois d'un an. C'est la première fois qu'il voyait une de mes maisons, celle qu'on avait achetée en plus. Je me dis comment c'est possible d'en arriver là avec son propre, avec ses propres enfants, mais bon.
C'est dur, je suis désolé, mais voilà, comme ça au moins vous comprenez mon état d'esprit actuel et je crois que j'en avais besoin de vous en parler en détail. Donc voilà, j'ai retrouvé mon père et il est décédé moins de 2 ans après. Donc, parce que il m'a fallu attendre les 2 dernières années de sa vie à lui pour avoir un père en fait. Et je pense que je l'ai pris comme un nouvel abandon. Qui a été plus difficile puisque du coup j'avais enfin un papa. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait donc 5 ans qu'il est parti. Ça faisait que 2 ans qu'on se retrouvait. Et donc j'avais 35 ans. Et j'ai dû attendre 35 ans pour que mon père m'envoie un message en me disant qu'il m'aimait. Je trouve que c'est malheureux. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas hyper expressifs. On n'est pas obligé de dire aux gens qu'on les aime, mais leur montrer, c'est important. Et j'ai jamais ressenti d'amour parental. C'est un peu malheureux à dire, hein, mais même venant de ma mère, voilà quoi, qui elle est toujours là. Hein. Mais j'ai jamais ressenti vraiment d'amour parental, sauf avec mes grands-parents. Et c'est pour ça que j'étais énormément chez mes grands-parents, également chez ma tante et mon oncle. Et quand mon oncle est décédé, ça a été très dur aussi pour moi parce que c'était la figure paternelle que j'avais. Et du coup, c'est cet amour que moi j'ai pas eu. Je me suis jamais sentie maternée ou paternée, je sais pas si ça se dit vraiment, mais je me suis jamais sentie protégée par mon père ou aimée par ma mère ou aimée par mon père. Et c'est un sentiment très dur pour se développer. Sentimentalement parlant, je parle. Bon, je pense que pour d'autres choses aussi. Mais c'est un sentiment très dur de vivre sans avoir l'impression d'être aimé par ses parents. D'où le fait, je pense, que je suis tellement mère poule avec mes garçons, qui me le reprochent assez souvent. Parce que bon, Enzo va quand même avoir 22 ans, mais ça m'empêche pas de m'inquiéter pour lui s'il rentre 10 minutes en retard ou de le surprotéger pour beaucoup de choses. Mais je pense que l'amour que moi j'ai pas eu, j'ai pas envie que ses enfants, que mes enfants ressentent la même chose. Pareil pour mon mari. Je crois que j'ai jamais vu mes parents se prendre dans les bras ou se faire un bisou, à part pour se dire bonjour, au revoir, un petit bisou. Voilà, comme deux potes, quoi. Donc, j'ai pas envie non plus que chérie pense à un moment donné ou quoi qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Donc, pour moi, c'est très important de donner de l'amour aux gens qui m'en donnent. Par contre, les gens qui m'en donnent pas ou qui en ont besoin après, c'est trop tard. Parce que mon père m'en a donné instinctivement après. Mais bon, c'est malheureux que j'ai dû attendre d'avoir 35 ans pour avoir l'amour de mon père. Enfin, pour me sentir aimé de la part de mon père. Mais c'est du coup ce qui a été si dur à vivre après. Des fois, je me dis que si je ne l'avais pas retrouvé, je ne serais pas dans cet état-là maintenant. Mais en même temps, je n'aurais pas eu mes 2 années avec lui comme j'ai eu. Voilà, des fois, le matin, je recevais un petit message, coucou ma chérie, je pense à toi, tu me manques, je t'aime. J'aurais voulu avoir ça toute ma vie en fait, voyez, c'était pas le cas. Après, on grandit comme on peut. Et du coup, j'ai beaucoup materné mes petits frères, d'où le fait qu'on soit si proches. Puisque voilà, c'est pas que moi. Hein. Mais. D'où le fait qu'on soit si proche avec mes frères, c'est que je me comportais avec eux comme une maman, en fait. Moi, je leur donnais l'amour qu'on n'avait pas l'impression de recevoir. Donc, je parle ouvertement parce que de toute façon, ma famille ne regarde pas mes vlogs. Hein. Enfin, regarde pas mes vidéos, tout court. Sauf que ma mère, maintenant, est en mauvaise santé. Très mauvaise santé, même.
Donc voilà. Donc maintenant, elle est beaucoup demandeuse d'attention de la part de ses enfants. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Moi, j'ai appris à grandir sans vraiment ressentir d'amour maternel et sans vraiment donner d'amour. Enfin, de lui donner d'amour non plus, puisque j'en recevais pas. Mais maintenant, c'est pas parce que t'en as envie et que t'en as besoin que ça marche comme ça, que tu peux claquer des doigts et hop, enfin, voilà quoi, c'est. Voilà, bref. Plus tous les autres décès qu'il y a eu dans ma famille, qui sont très durs aussi. Ça m'a pas foutu en dépression, mais c'est le cumul de tout en fait. Parce qu'il me reste plus grand monde hein, dans ma famille. Déjà, on voit pas le côté de mon père. Donc là, il me reste deux tantes. Voilà. Mes cousins-cousines, hein, mais il me reste deux tantes. Tout le reste de ma famille est décédé. Et du côté de ma mère, il me reste ma mère et une tante. Voilà. Mes grands-parents sont morts, mon parrain est mort. Mon oncle est mort. Enfin, voilà, il y a eu énormément de décès dans ma famille. On n'a plus de famille. On n'était déjà pas une très grande famille et là, on n'en a absolument plus. Mais comme j'ai dit à Chéri, le week-end passé, moi, ma famille, c'est lui et mes enfants en priorité, toujours. C'est les trois hommes les plus importants de ma vie, bien qu'il y ait mes deux frères aussi. Hein, mais si je devais ne plus parler à mes frères pour protéger un de mes enfants ou mon mari, je le ferais. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, voilà. Et c'est de là que je me suis autant accroché à Maryse, qui elle a un peu aussi une histoire difficile. Mais on a trouvé l'une l'autre la personne idéale pour compenser justement ce manque d'amour. Je me suis jamais senti autant materné que par Maryse. Parce que même elle étant malade, si elle sait que je vais pas bien, elle va plus se préoccuper de ma santé que de la sienne. C'est un truc de fou. Alors que non, non, non. Ma santé mentale, ma santé physique est pas au top, mais ma santé mentale, c'est le pire. Mais c'est beaucoup moins important que d'autres problèmes qu'elle peut avoir de santé. Tandis que quand je vais dire à ma mère que j'épète ou trotte, que ce soit grave ou bas, elle a pire. C'est d'office pire, quoi. Voilà. Oui, mais te plains pas, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Donc je dis plus quand je suis malade. Voilà. Quand j'ai fait la biopsie de l'estomac pour voir si c'était le cancer, je lui ai pas dit. Elle vient d'en faire une, mais ça y est, elle s'est rasé les cheveux parce que en prévoyance de faire une chimio. Elle a même pas encore les résultats. Enfin. Voilà quoi, je veux dire. Voilà, bref. Bon, je pense que je vais arrêter de parler de ça maintenant. Ça fait un bon bout de temps que je vous blablate là. Encore un tableau qui va durer 3 heures. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Même si vous n'avez pas trop le choix si vous suivez les vlogs. Mais ça m'a fait du bien, je pense, d'en parler avec vous. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer ma journée. En étant peut-être un peu plus apaisée, un peu plus sereine, d'avoir expliqué, d'avoir mis des mots sur ce mal qui me ronge depuis 5 ans. Je sais que je suis pas la seule à être en dépression, je sais que je suis pas la seule à avoir des problèmes de relations familiales. On a tous des moments difficiles dans la vie, ça je suis totalement d'accord. Mais il y a des choses qui font que le cumul de plusieurs choses comme ça, comme la psychologue m'a dit quand j'y allais, il y a les dépressifs chroniques, donc qui sont en dépression tout le temps pour un oui ou pour un non. Ça, c'est dans les gènes, en fait, c'est une maladie mentale génétique.
Et il y a ceux qui sont en dépression à cause d'un choc en fait, d'un choc émotionnel. Et ce qui est mon cas. Ma mère est une dépressive chronique, donc elle m'a dit le problème c'est que c'est déjà dans mes gènes d'avoir des tendances dépressives, mais là avec le choc émotionnel, elle dit c'est les plus dures à soigner parce que c'est tellement soudain que l'esprit ne comprend pas en fait. Le cerveau n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un coup. Et même moi, enfin, c'est mon esprit, mais des fois je me dis, mais putain, pourquoi t'arrives pas à te remettre comme avant? Avant, il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Ben, je positivais, je cherchais toujours, toujours, toujours le positif. J'arrive à le refaire pour certaines choses. Je suis déjà contente, c'est déjà un grand pas en avant. Mais avant, je cherchais toujours le positif en me disant, les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Mais là, j'ai pas trouvé de bonne raison à perdre mon père comme ça. Après 2 ans de retrouvailles, j'ai passé la nuit à son chevet. Le lendemain matin, j'ai été travailler alors que j'avais pas dormi de la nuit. J'étais partie pour une journée de 10 heures de boulot seule. Et mon frère m'a appelé, je venais d'ouvrir la boutique, m'a appelé pour me dire l'hôpital vient de m'appeler, il faut qu'on y aille. Donc, on avait bien compris hein, la veille que ça allait aller très vite, mais on pensait pas que ça allait aller si vite. J'ai même pas eu le temps d'appeler mes patrons pour les prévenir que ça pouvait être envisageable que je doive partir d'urgence parce que mon père était mourant. Du coup, j'ai tout de suite appelé la mère de mon patron puisqu'elle était plus proche de chez moi, en distance, hein, plus proche du boulot, en distance que lui, qui venait de l'autre bout de la Belgique. Et je l'ai appelé tout de suite pour lui dire, écoutez, il faut que je parte, mon père est en train de mourir. Elle m'a dit oui, vas-y tout de suite, ferme, t'inquiète, j'appelle les collègues, voir si quelqu'un peut venir te remplacer et tout. Donc la boutique a été fermée, montre en main, 30 minutes, hein, le temps que moi je parte et que ma pseudo-patronne appelle ma collègue pour qu'elle vienne me remplacer. Et j'habite à 12 minutes de mon ancien travail en voiture. Le temps que je rentre, j'avais 5 appels en absence de mon patron. Le sixième, je décroche et il commence à m'engueuler parce que j'ai fermé la boutique sans son autorisation. J'ai foutu de ma gueule. Mon père est en train de mourir, quoi. Et, oui, mais vous n'avez pas le droit de partir comme ça. Hein? Mon père est en train de mourir. Il n'y a pas. Attends. Je veux dire, ils n'ont jamais eu à se plaindre de moi. J'ai jamais été absente. J'ai jamais été malade. La seule fois où j'ai été malade, c'est quand je me suis retrouvé à l'hosto que j'ai failli mourir, encore une fois. Merde, quoi. Merde. Je suis venu bosser en pensant que j'avais une gastro et finalement je me suis retrouvé à l'hosto parce que c'était beaucoup plus grave. Je suis venu, je fais mes 10 heures par jour toute seule, ouverture, fermeture, sans avoir de toilette à disposition. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais c'était très compliqué à vivre, même que j'adorais mon boulot. Hein. Et là, ça a été. Wow, j'avais déjà pas dormi de la nuit, j'étais parti pour 10 heures de boulot, seul. Avec l'angoisse de me dire, voilà, quand est-ce que ça va arriver? C'est arrivé malheureusement plus tôt que prévu. J'en peux rien. Moi, je pouvais pas dire à mon père, non, non, attends, retiens-toi là jusqu'à la fin de ma journée de travail, quoi. Donc il m'a appelé, il m'a engueulé comme du poisson pourri, parce que j'avais fermé la boutique 30 minutes, sans son accord. Compassion, zéro. Du coup, je l'envoyais chier, clairement, je l'envoyais bouler. À partir du moment où tu as une employée qui fait son job, qui te fait pas chier, tu la fais pas chier quand c'est une urgence familiale. Et du coup, ben voilà, on est monté, on est monté à l'hôpital, c'était trop tard, le temps qu'on arrive, il était déjà décédé. Et le soir, je reçois un message de mon patron en disant, j'espère que votre père va mieux. Hein? Mais vous vous foutez de ma gueule, quoi. Clairement, vous vous foutez de ma gueule. J'ai marqué, oui, il va mieux, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça c'est le genre de truc qui me. J'ai pas quitté le boulot parce que mon père avait un rhume, quoi. Vous voyez? Il s'est pas tordu le pied. Donc voilà, ça m'a énervé. Et c'est de là que mon médecin m'a. Enfin, j'ai eu ma semaine
congé pour l'enterrement de mon père et tout ça. Donc le samedi, j'ai enterré mon père et le mardi, j'étais au boulot pour 10 heures toute seule. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai fait mon boulot, sauf que je devais des fois me planquer parce que je pleurais. J'ai fait mon boulot et pendant ma journée de boulot, j'ai mon patron qui m'a téléphoné pour voir comment je voulais récupérer mes heures pour l'absence pour l'enterrement de mon père. Et, hein? Non, non, mais attendez, j'ai droit à mes jours pour l'enterrement de mon père, quoi. Et il me trouvait des excuses par rapport à mon contrat de travail, mes heures de travail et tout ça, comme quoi je devais récupérer au moins 10 heures sur mes 20 heures. Ben, voyez quoi. Donc, mais c'est comme ça. J'étais voir mon médecin, je lui ai tout expliqué, qu'il me connaissait, enfin, qu'il me connaît depuis que j'ai une vingtaine d'années, donc il me connaît très bien, il sait que je suis le genre de personne hyper positive dans la vie. Et il m'a dit, c'est hors de question que tu retournes bosser pour des tarifs pareils. Voilà. Et il m'a déclaré en dépression. Et la psychologue a bien confirmé que j'étais en très grosse détresse émotionnelle. Voilà pour ma petite histoire sur ma dépression. Pas folichon, hein, c'est ton trait de vlog. Hein. On va essayer de faire mieux hein, après. Bon. Allez, je vais essayer de me remettre de ça et je vous reprends après, une fois que j'aurai transformé un petit peu en. Bon, il est 11h15 et voilà seulement que je finis de faire mon teint. J'ai un peu traîné, mais je suis devant un reportage sur les camps d'extermination juifs. Voilà, c'est une passion que j'ai dans la vie, tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale. Hier, j'ai regardé un reportage Netflix sur Hitler. J'aime bien quand je trouve des reportages que j'ai jamais vus. Celui que je préfère, c'est quand même jusqu'au dernier. Voilà, c'est le reportage que je préfère. Voilà, tout simplement. Changement de sujet. Donc, j'ai reçu ma petite lampe de chez Chine en forme de lune, mais je vais la changer après. Je vais la changer de place parce que quand j'irai chez Action, je vais racheter un bloc. Pas moyen de trouver un bloc de prise USB, puisque c'est un branchement USB, mais c'est trop beau. Et au moins celle-là, elle n'est pas sur pile parce que la licorne, j'ai plus de pile. Mais je vais l'intervertir parce que comme j'ai ma rallonge de ce côté-là, une fois que j'aurai le truc, là pour l'instant elle est branchée sur ma batterie externe. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que je voulais vous redire. Le reste, je vous montrerai dans le hall, dans le vlog. Oh là là. J'ai un peu de mal. J'espère que je ne vais pas être trop molle pendant la vidéo. Donc j'ai mis un bandana rose fuchsia pour aller avec mon. Enfin avec le t-shirt de Georges, parce que c'est pas le mien du tout. Je porterai pas cette horreur au quotidien, quoique. Mais les couleurs en fait, mais alors Rick et Morty, c'est affreux ce truc. Les monstres sont vraiment très laids. Bref. Bon bah sur ce, je crois que j'ai assez blablaté pour la journée. Moi je vais tourner ma petite vidéo. Et après je pourrai manger, aller à la sieste et. Voilà. Donc, on suit toujours. Alors, il est 9h43, je vais dire, non, 7h43. Ça va mieux, voilà. Ça m'a fait du bien de vous parler hier. Donc, je suis désolé pour ceux que ça aurait pu plomber. On va essayer de faire mieux pour le reste du vlog. mais je crois que j'en avais besoin. Et voilà, comme ça, j'ai pu vider mon sac. Vous avez été mes petits psychologues de la journée. Voilà. C'est toujours pas super facile, hein, mais ça va aller mieux. Une fois que la date est passée, ça commence à moins me travailler, on va dire. Mais je dors toujours pas très bien. On verra bien. Là, je vais boucler mes cheveux parce que j'en veux bouclette. Hein, passion bouclette en ce moment. Par contre, les perles en or, ça a toujours été. Hein, et c'est encore pire depuis la sleeve. Voilà, donc j'ai mis, et vous le voyez absolument pas, il y a le chat qui va emmerder les chichous. J'ai accroché ma truc, non, ça se voit vraiment pas, hein, que j'avais mis en haut, mais que ça se voyait pas, je l'ai accroché, bah, j'en ai mis un là et un ici au-dessus de mon ordi, mais vous les voyez pas, donc bon, moi je les vois, c'est le principal. Mais du coup, hier, j'ai oublié de vous dire. De vous préciser que j'avais mis les fleurs aussi de chaque côté de mes deux étagères. Je vous montrerai après quoi. J'arrive en haut.
Mais d'abord, je vais faire mes cheveux et mon teint. J'aimerais bien filmer avant qu'Enzo rentre parce qu'il rentre vers 9h30, il m'a dit. Voilà, tout simplement. J'aimerais bien filmer avant qu'il rentre. Bon, aujourd'hui, ça va aller vite. C'est un réel Colourpop, toujours, parce que j'ai pas fini. Et les produits terminés. J'ai 3 semaines d'avance vidéo. J'ai un peu abusé, mais comme je vous l'ai dit, j'en avais besoin. J'attends mes deux prochaines commandes Shein pour vous tourner le haul, mais ça sera en bonus probablement le jour où je les aurai reçus, s'il n'y a pas d'autres vidéos de prévu. Donc ça sera un mardi ou un jeudi ou un samedi. Et voilà. Donc samedi, on fait bien le live. Je vous ai fait un sondage sur Insta, un peu story time, mon lien avec la mort. Je sais que vous attendiez beaucoup cette vidéo. Mais comme j'ai dit dans le sondage, j'aurais certainement plus facile à en parler si vous êtes directement près de moi, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais pas me retrouver seul face à ma caméra. Et puis on pourra partager aussi. Bon, pour vous, ça sera déjà passé. Donc je vous mets la rediff en barre d'infos. Ah, oh, contracteur. Je vous mets la rediff en barre d'infos pour ceux qui n'auraient pas été présents. Donc voilà. Là, je vais juste boucler mes cheveux. J'ai rien de spécial à vous dire. En même temps, je vous ai tellement blablaté hier que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Pour le reste de la semaine, j'aurais peut-être pu prendre mon miroir pour boucler mes cheveux, histoire de voir un tout petit peu qu'est-ce que je fais. Je vais le sortir juste après. Donc là, je continue les Colourpop. J'en ai tourné. Attendez, j'en suis à combien? Là, j'ai tourné le 6e. Donc j'ai 11 palettes en tout, puisque la Milk to Be, vous l'aviez déjà eu avec une palette à make-up. Après, je vous ferai un sondage sur Insta pour voir quelle marque vous voulez qu'on fasse. Ça me plaît bien de les faire comme ça par marque, ça me permet de ressortir un peu les palettes que j'ai pas utilisées depuis un certain temps. Donc voilà, c'est bien. Et puis il faudra que je classe aussi à un moment les palettes d'hiver. Pas d'hiver la saison, hein, d'hiver varié. Puisque il y a des palettes où j'ai que une ou deux palettes de la marque, quoi. Hein. J'ai pas pour faire une série, on va dire, de réel, quoi. Donc pour l'instant, j'ai mis un peu en suspens les une palette trois looks, puisque ça m'amuse de faire comme ça. Et la queen aussi, je l'ai mis un peu en suspens pour l'instant. Il n'y en aura pas encore pendant le mois de mai. Attends, je vérifie. À moins que je vous la mette une fois en bonus. C'est la Queen of Disco. J'ai l'idée du make-up, mais je bloque un peu sur la coiffure, les accessoires et tout ça. Alors, c'est pas very important, hein, mais voilà, je bloque un peu là-dessus. Donc, il faut que je trouve un peu. J'ai l'idée, mais je sais pas si c'est vraiment dans le thème, donc je sais pas. Écoutez, je vais voir. Là, ce mois-ci, on commence la série des Pokémon aussi. Donc, je sais pas. Si je vais vous la caser en bonus ou si on la reporte encore d'un mois, je vais voir. Je vais voir quand j'aurai un peu fini encore cette semaine. Ouais, je vais tourner encore cette semaine-là, comme ça j'aurai presque un mois d'avance. J'abuse, hein. Et puis, ouais, je vous la casserai peut-être en bonus. Pour rattraper le retard. Je crois qu'on va devoir aussi laisser tomber les liners. Parce que j'ai du mal à avoir des participations, en fait. Là, j'en ai deux sur les cinq. Parce que j'aime bien les faire par cinq ou au moins quatre, quoi. J'en ai deux pour l'instant et Manon doit m'en faire un, mais madame est très occupée, hein, c'est madame la ministre. Donc ça m'en ferait trois. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous inspire plus autant de les dessiner, en fait.
Donc si ça vous inspire plus de les faire, ça sert à rien non plus de garder la série vidéo, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas à me partager par mail vos idées de line-out pour le printemps. Voilà, ça, vous savez qu'il m'en faut encore un ou deux, voire deux, trois. Alors ne vous dites pas, oh mais oui, mais il y en a déjà plein qui l'ont fait, ou je vais avoir le même thème. Ça, après, si j'ai deux fois les mêmes, soit je les fais ensemble, si c'est pas vraiment la même disposition, ou s'il y a des petites variantes, soit je fais les deux en même temps, soit je trie. Hein. Donc voilà, envoyez-moi un max d'idées, et puis surtout que ça peut me donner des idées. Je refais Rabbi Jacob. Ça peut me donner des idées pour d'autres make-up aussi, hein, pas que pour cette vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas, quoi. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, mais je suis pas dessinée ou ceci. Ben, vous pouvez m'envoyer. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein, en expliquant juste. Hein, j'essaye de me débrouiller après. Voilà. Je vais peut-être prévoir une semaine de vidéo, tiens, en ajoutant la queen quelque part. Et un abonné choisit mon make-up parce que là, je crois que je l'ai pas programmé ce mois-ci non plus. Et bon, c'est vrai qu'avec la série Sailor Moon, j'étais un peu perturbée et je peux pas vous mettre que des make-up artistiques tout le temps, quoi. Même si vous aimez beaucoup. Après, les make-up, ça fait pas de vue, hein. C'est vraiment juste pour le plaisir de les faire. Parce que là, demain, pour moi, il y a le Disney Challenge qui sort. Je sais que ça va pas faire de vue. Mais on adore le faire. Ça nous empêche pas de le faire, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, moi, je vais faire ça. Je vous reprendrai quand je monte pour vous montrer les flowers et ma lune. Oh là là, putain, cette lampe. J'en suis raide, hein, j'ai eu un coup de cœur dessus. Je suis même en train de me demander si je vais pas recommander une pour mettre ici en bas, tellement j'ai adoré. Allez, sur ce, je vous reprends un petit peu en haut et puis on pourra déjà switcher deux jours parce que je vais essayer de pas blablater pendant des heures tous les jours. Hein. Donc voilà, on se retrouve juste après. Voilà, je viens de monter, allumer mon chauffage, donc je vous montre. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, que c'est beau. J'adore, je suis totalement fan. Et vous voyez sur le côté, j'ai mis les guirlandes de fleurs, bon, du coup, qui s'allument pas. Hein, et j'ai mis l'autre de l'autre côté aussi. Voilà, enfin, il y en a une des deux qui pourrait s'allumer, mais ça sert à rien que j'en allume qu'une sur les deux. J'ai un petit peu modifié, j'ai mis les licornes ici parce que, ben, comme ça, j'ai une source lumineuse sur cette étagère-là. Et quand j'aurai des piles, j'en aurai une sur cette étagère-là. Voilà, j'ai remis les gougous ici. Là, j'ai mis deux petits pots parce que je ne savais pas quoi mettre, mes licornes, mes couronnes et mon panda. Au-dessus, là, ça n'a pas changé. Ici, j'ai mis les deux bambis, ma petite lune, et j'ai mis les fleurs en dessous. Voilà, du coup, j'ai mis Stitch et Harley Quinn juste ici en dessous. Voilà, mais je pense que je vous referai un room tour quand j'aurai le temps. Donc voilà, bah, sur ce, on peut switcher de jour en regardant ma magnifique lune et je vous reprends demain. Alors, il est, je vois rien, 9h49 et je viens de tourner ce réel. J'ai le facteur qui vient de me déposer mon colis 1 de chez Chine, enfin 1, 150 399 000. Donc voilà, je vais aller le déballer maintenant. Je vous tournerai le haul dès que j'aurai reçu la deuxième partie. Alors j'ai commandé le jour même à 5-10 minutes d'intervalle et j'ai pas reçu le même jour. Donc voilà, on cherche plus à comprendre Shein, n'est-ce pas? Sinon, en réel, j'ai dû recommencer parce que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Boulet, mais un vrai boulet, je vous jure. Donc voilà, il me reste 4 palettes à tourner Colourpop, mes deux préférées pour la fin. Voilà, comme ça vous savez un peu où j'en suis.
Une fois que j'aurai fini, je vous mettrai un sondage pour voir quelle marque vous voulez que je fasse. Je vous mettrai ça sur Insta puisque c'est des réels. Donc c'est principalement sur Insta. Enfin, c'est que sur Insta. Voilà. Il y a la Chico qui est couchée collée au petit chauffage. Mais je vais l'éteindre, hein, Chico, j'ai fini. Aujourd'hui, j'avais dit. Enfin, hier soir, quand je me suis couchée, j'avais dit, oh. Demain, repos, je filme pas, je glande, je fais rien. Et j'ai déjà pas arrêté depuis ce matin. Et à peine levé, j'étais là. Ah, quand je pars à l'école, je filme. C'est vraiment, c'est addictif. Hein. Mais bon, ça me change les idées, ça me fait du bien. Et puis j'adore ça. Oups, attendez, je prends mon petit bordel. Je vais vous préparer aussi pour tourner mon petit room tour, mais d'abord je dois faire ma machine pour laver mon petit essuie ici parce qu'il est dégueu. Alors dégueu, de chez dégueu. Et voilà. Il faut que je lave mes pinceaux aussi. Donc, je vais descendre celui-là pour les laver en même temps. Je vais préparer ma petite machine que je vais tourner ce soir pour la faire. Oh non, j'ai une perle qui était descendue, j'avais pas vu. Tant pis. Pour la faire tourner à 10 h, hein, pour voilà, économie, économie. Et voilà, bah écoutez, je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, je crois que là, sur les 2 premiers jours, j'étais déjà à 48 minutes de vlog. Donc là, plus les 2 minutes et des cacahuètes, on est déjà à 50 minutes et il reste 2 jours. Je pense qu'il y a moyen de moyenner là. Si vous me dites qu'il est trop court, je comprends pas. Hein, vraiment pas. Bref, bon. Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui. Je réfléchis, hein, mais je crois pas. Je vais surveiller en espérant que mon colis, deuxième colis Chine arrive demain. Comme ça, je peux vous mettre la vidéo demain. Sinon, ça sera mardi. Hein. Parce que vendredi, il y a une vidéo de prévue. Samedi, il y a le live. Dimanche, il y a le vlog. Lundi, il y a déjà la vidéo de prévue aussi. Donc, ce ne sera pas avant mardi. Donc, soit c'est demain, soit c'est mardi. Ou à la limite, samedi avant le vlog. Mais j'aime pas poster 2 fois le même jour sur YouTube. Ça fausse tout mon algorithme. Voilà, bon, allez, sur ce, on switch de jour. Alors, il est 9 h 36, je viens de raccrocher avec Amy, on a papoté pendant plus d'une heure. Attendez, je vérifie. On n'a pas papoté longtemps. 2 heures, 1 h 49, 45. Voilà. Donc on a bien papoté, j'ai fait mon teint, mes cheveux et mon teint en même temps qu'elle. Et voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Hein. Voilà, sinon, aujourd'hui, hier j'ai fait une commande Amazon pour des figurines Colourpop, n'importe quoi, Super Nana. En ce moment, on a une passion Super Nana avec les filles, hein, je crois que vous savez pourquoi. Et j'ai rangé mon petit bordel en même temps. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon. Donc, j'en reçois une aujourd'hui. J'ai commandé les 3 en même temps. Et j'en reçois une aujourd'hui et 2 demain. Cherchez pas à comprendre. Sauf que je reçois celle d'aujourd'hui au soir, entre 18 et 22 h. Donc, je pense que je vous les montrerai pas dans ce vlog-ci. Je vous les montrerai lundi, dans le prochain vlog. Quand j'aurai eu les 3, parce que demain je vais le recevoir aussi bon, assez tard. Je pense que j'aurai déjà clôturé le vlog parce que là il est déjà bien long. Donc voilà, je vous montrerai ça dans le prochain. Par contre, demain je vous montrerai. Alors normalement, si chéri rentre pas trop tard du boulot parce qu'en ce moment il fait beaucoup d'heures, le pauvre, parce que comme il est en congé la semaine prochaine, ben, c'est le foutoir au boulot, hein, comme à chaque fois qu'il est en congé. Mais on va normalement, après il faut aller racheter de la poulette pour les chiens. Donc je vais passer au Cora, acheter de la salade pour manger ce soir. J'ai envie de salade avec du fromage. Et en même temps, je vais aller voir pour changer mon piercing à l'hélix. Ici. Il n'y a que celui-là que je peux changer. Bah je peux changer les 3, hein, mais celui-ci, je vais le laisser comme ça. Et celui-ci aussi. Je rachèterai peut-être un anneau avec des strass plus tard, mais pour l'instant, ça urge pas. Donc c'est juste celui-là que je veux changer parce que je m'accroche. Vu que c'est les tiges de perçage, elle est assez longue, donc elle sort beaucoup. Bah, regardez. Et je m'accroche les mèches de cheveux dedans, donc c'est extrêmement chiant. Donc je vais aller la changer aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça demain. Et de ce côté-ci, bon, à part le conche que je peux changer qu'au bout de 2 semaines, c'est quand que je peux changer? Attendez.
C'est quand que je peux changer l'autre oreille? Je crois que j'ai noté. J'avais pas noté sur mon agenda. Home. Home. J'ai pas noté sur mon agenda. Alors attendez, je crois que j'ai noté ici. Ouais, je vous raconte ma vie. C'est un vlog. Je crois que j'ai noté ici. Oreille droite à partir du 25 mai. Oh, jour de notre anniversaire de mariage. Sauf le conche que c'est le 22 juin. Que je peux le changer seulement parce que c'est 12 semaines celui-là. Oh, ben je crois que je vais demander à chérie qu'il m'offre mon tragus pour notre anniversaire de mariage. Ouais, on verra bien. Voilà. Sinon, je voulais vous parler d'un truc aussi. Attendez, je bois un coup de café. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, Sephora m'a accepté dans leur programme d'affiliation sur Awin. Du coup, ils m'ont envoyé un message il y a 2 jours, je crois, enfin il y a quelques jours, un mail, pour participer à faire une vidéo spéciale Fête des Mères avec, voilà, je pense que je vais juste faire des idées cadeaux pour la Fête des Mères. Alors, c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ce qu'il y a, c'est que ben, c'est un concours, en fait, enfin un concours. Suivant les personnes qui auront fait la vidéo, il y aura un tirage au sort. Enfin, je ne sais pas vraiment si ça va être tirage au sort ou suivant si les liens ont beaucoup été utilisés ou des choses comme ça. Je ne sais pas comment ce qu'ils vont choisir ou s'ils choisissent simplement un joli contenu. Mais il y a de l'argent à la clé. Donc, je vais la faire. Hein, voilà, en croisant les doigts. Je vais la faire. Et puis en même temps, je verrai si c'est le genre de contenu qui peut marcher. C'est vrai que j'ai jamais fait parce que. Le problème, c'est qu'en Belgique et en France, la date de la fête des mères n'est pas la même. Donc c'est un peu chiant et que voilà, chez nous, on ne fête pas la fête des mères. Enfin, fête des mères, fête des pères. Voilà, on n'a jamais de cadeau de la part des gosses, hein, faut pas rêver. Quand ils étaient petits, oui, quand ils faisaient le bricolage à l'école, mais sinon, bien sûr, le chien veut rentrer. Attends 2 minutes, Poprou. Et voilà. Donc je ferai la vidéo, on verra si ça marche et on croisera les doigts. Puisqu'il y a quand même à la clé, le premier prix c'est 1000 euros, le deuxième 750 euros et le troisième 500. Hein, donc voilà. Après on va être nombreuses à participer, donc vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup de vidéos comme ça. Mais n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affilié, même en dehors de la fête des mères. Voilà, ça pourra peut-être m'aider à gagner, j'en sais rien. Mais on verra bien, de toute façon il est toujours en barre d'infos et voilà. Donc, ça fera une vidéo. Ben, je vais vous donner le planning, tiens, tant qu'on y est. Maintenant, je ne sais pas si je ferai pas une vidéo par jour, parce qu'en fait, j'attends ma commande Chine, qui est partie seulement hier de Chine. Donc, la deuxième que j'ai commandée le même jour que celle que j'ai reçue hier. Hein. On ne cherche plus à comprendre. Attends! Donc, ça sera soit mardi, soit jeudi. En espérant l'avoir à temps. Sinon, ça sera décalé à la semaine d'après, parce qu'après, j'ai pas de place. À la limite, je peux intervertir avec celle du vendredi, mais le samedi, je ne peux pas changer, donc le dimanche non plus. Donc, vous avez la rotation lundi, le haul Chine, soit mardi, soit jeudi ou vendredi, ou la semaine d'après, je ne sais pas. Mercredi, 5 idées de liner graphique. Jeudi, pour l'instant, j'ai rien mis, mais je vais peut-être vous mettre celle que j'ai tournée. D'inspiration avec le t-shirt de Georges, je sais pas. Suivant, quand est-ce que j'arrive à faire mon haul Chine. Vendredi, les favoris. Samedi, le concours des 4000 abonnés. Et dimanche, le weekly vlog. Voilà pour le planning. Comme ça c'est déjà fait. Et demain, j'aurai plus qu'à clôturer, à vous montrer mon piercing et à clôturer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se retrouver bientôt pour une semaine de vidéo. Si ce n'est pas la semaine prochaine, celle du 16, oui. La semaine du 16, ça sera une semaine full. Et la semaine du 9, il y a en bonus celle avec Sephora le samedi 14. Voilà, comme ça vous savez un peu. Et de toute façon, on se retrouve tous les jours en réel pour l'instant sur Insta, puisque. Là, je vais alors retourner. Hein. Ça m'occupe et ça m'éclate. Donc, voilà pour ça. Bon, sur ce, je vais faire rentrer le chien. Et de toute façon, on switch de jour puisque j'ai plus rien à vous dire aujourd'hui.
Alors, il est 11h29 et je viens de terminer de tourner mon haul. Donc, je vais aller vite, 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 vite faire le montage pour ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, j'ai changé mon persingue. Donc, voilà ce que ça donne. J'en ai chié pour le changer parce que la vendeuse, c'était l'apprentie. Donc, du coup, elle n'avait pas le temps, elle était débordée, elle savait pas trop gérer. Alors, j'ai eu facile à le changer, hein, c'est pas ça le problème, mais j'ai eu beaucoup de mal à dévisser l'autre qu'elle m'avait mis pour après le piercing. Enfin, après le perçage, quoi. Mais alors, j'adore. Voilà, c'est trop beau, c'est très scintillant, c'est très brillant, c'est très moi. J'ai refait hier une commande Shein aussi. Ça vous étonne plus, hein, voilà. Mais il y avait encore des trucs marqués presque en rupture. Donc ça fait mouche à chaque fois chez moi. Ça marche d'enfer ce truc. Et du coup, j'ai changé le planning puisque ce soir pour moi, donc hier pour vous, j'ai mis le haul action. Donc je vous remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai changé un peu le planning. Alors attendez, je le chope. Là, on va se retrouver pour 2 semaines de vidéos non-stop. Donc je fais vite avant qu'il y ait le livreur qui arrive. Donc, lundi et rotation, mardi ou jeudi, je ne sais pas trop encore suivant quand est-ce que j'aurai reçu, ça sera mon haul Shein. Mercredi, 5 liners graphiques facile. Jeudi ou mardi, du coup, la vidéo où je m'inspire du t-shirt Rick et Morty de Georges. Vendredi, les favoris. Samedi, le concours. Weekly vlog le dimanche. Voilà. Donc vous savez à peu près ce qu'il va y avoir comme vidéo, même si ça risque de changer suivant quand est-ce que je reçois mon haul Shein. Mais celui-là, je le tournerai le jour même. En principe, c'est ce que je fais. Ou à la limite pour le lendemain si je reçois trop tard ma commande. Et j'intervertirai juste la vidéo qui doit sortir ce jour-là. Voilà. Tout simplement. Donc, ben voilà, ça va conclure mon haul, mon vlog. J'ai faim. Et ben c'est tout. Je vous ai donné le planning, j'ai clôturé, j'ai vous ai montré mon piercing et je vous ai dit que j'avais fait une nouvelle commande Chine. Vous avez le droit de m'engueuler ou pas. Voilà. Donc, de toute façon, on se retrouve demain. Et tous les jours de la semaine à 17h30. Et voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De mettre un pouce en l'air. En lire. En lire. Mettez un pouce en l'air pour me faire plaisir. Et voilà. Donc en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.